aucune ordure à voler ma victoire. J'en veux pas une victoire comme ça, t'entends? Tu peux faire semblant si longtemps que tu voudras, moi je sais que t'es pas dans les vapes. T'as fait exprès de t'étaler. Qui t'a payé? Qui? T'es en plein délire, mon coré. Le direct que tu l'as balancé aurait pu tuer un bœuf. Un bœuf, oui, mais pas lui. Il y a un truc là-dessous. Et moi, je saurais quoi? Ça ne suffit pas d'avoir gagné, tu veux quoi, en cuir sa peau? Toi, le vieux, tu me cherches pas, d'accord? Si vous êtes branché ma tâche, je ne serais pas passé. Je suis un sportif, moi. Je veux un vrai combat. Et là, tu connais ou sinon, je te prendrai dehors. Et là, tu frimeras pas. Comment t'as fait pour perdre contre ce ringard? J'ai pris son poing dans la gueule. C'est souvent comme ça qu'on perd. Tu me réponds, s'il te plaît? C'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'il pense, ma Corée? C'est vrai. J'attends le moment, puis je me suis couché. Pourquoi t'as fait ça? On t'a proposé de l'argent? D'après toi. Alors? J'en ai marre de la boxe. Ce que je veux, c'est le jeu du violon. Une ou deux fois par semaine, ça me donnerait la frite. Mais t'as vu, t'es pas luche. Hé, Jackie! Qu'est-ce qui se passe à la case? Boxing Baby va apprendre le violon. Mais ça va, hein? C'est ridicule. Pardon. Vous revenez pour le violon? Qui est d'accord avec moi, il te faut du repos. Dimanche, pas d'entraînement. Liberté absolue? Inconditionnelle. J'ai un projet pour toi. C'était trop beau. Quel genre ton projet? Terre à terre. Je t'ai loué une pute. La banque t'a ouvert un crédit? Tiens-nous au courant si tu te remaries. D'accord, Gégé. Maurice! Maurice, tu traînes pas, hein?
Tu me rejoins au Brasa. Bonjour Marie. Bonjour mon trou. Ça va? Oui, ça va bien, et toi? Ça va. Oui. Hé, hey, bonjour. Bonjour. T'aurais pu descendre plus tôt? Une blague, ma tombe. Pourquoi t'as pas mis ton beau costume? Parce que j'en ai pas. Ça va la fac? Ouais, quand je peux y aller. Et donc qu'est-ce qu'il lui raconte à Manu, là? Oh, fais pas semblant d'être fou. Sinon, bah, j'ai de mes parents la brocante. Et toi? Moi, je boxe. Je boxe comme mon père. Je suis devenu champion du monde. Qui laisse un revanche sur la vie? C'est celui qui le dit. Hé, hey, attends! Attends! Il faut que je te parle! Attends, je suis pressé. Fais du lion. Je connaissais Maurice depuis longtemps. Presque depuis l'enfance. La sienne, évidemment. Parce que la mienne, j'ai préféré l'oublier. Je n'aime pas le sordide, même si je m'y vautre de temps en temps, par nécessité, pour apprendre quelque chose de la vie. Plus tard, Marcel l'a renvoyé au Cameroun pour le faire entraîner. 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Quand il est revenu, il avait un petit accent et les muscles d'acier. Je me suis dit, ce monde-là, ce sera ma chance. Et vous, frappeuse! Bon, moi, si tu frappes comme ça, t'es pas frappant un petit suisse, hein? Allez! Voilà, maintenant, c'est trop! Non, mais réserve-toi pour les combats, Maurice! Et si tu trônes, sans plus, bah, ce qui veut pas dire que t'es venu pour jouer du violon, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de violon? Connerie. Si tu veux perdre tes dents, continue à te marrer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de violon? Connerie. Oh, bah, c'est orgueilleux, Marcel. C'est pas à l'entraînement qu'il faut jouer les terreurs. Ah. L'important, c'est qu'il sache le faire, et il le fait. Non, la pute. Crac-crac. Crac-crac, non, mais... on rebelote. Il faut frapper avant d'entrer, vous pouvez être à poil. Dis donc, quand t'es sorti du ventre de ta mère en premier, c'est le cul qui s'est présenté envoyé avec tes couilles. Et le docteur, il a dit, en tout cas, c'est bien un garçon. Je me suis retourné, j'ai passé la tête, il a dit, ce môme sera intelligent. Maurice, c'est dans la poche, Faragus va s'occuper de toi. Faragus, le mec qui organise le championnat d'Europe, il m'a vu boxer. Tu vas nulle part. C'est Jackie qui lui a parlé de toi, et Jackie, quand il parle, il sait trouver les mots. Hein. Quand tu as pris ton coup dans les reins. Il avait su trouver les mots pour l'avocat, combien t'as obtenu l'avocat? C'est beau un violon.
On dirait un corps de femme. Lisse comme ma peau. Comme la peau de toutes les femmes. Vous ne trouvez pas? Il vous a aussi payé pour m'espionner? Pour savoir si vous aimez les femmes. Je vous crois pas. Il n'est pas si con que ça. Venez chez moi, on va le prouver. Il n'y a qu'à moi que ça peut prouver quelque chose, compris? Compris. Au moins pour l'honneur. On boira un verre entre camarades. J'ai une garçonnière tout près d'ici, dans une péniche. Si c'est dans une péniche, ça change tout. Qu'est-ce que tu regardes? Le conteneur. Je venais souvent avec mes copains du quartier. Les flics nous faisaient cavalier d'un coup de pied dans le cul. C'est ta péniche, là? Non, plus loin. Là où il n'y a plus de lumière. J'ai un peu peur la nuit. Je suis contente que tu sois là. T'aimes pas la boxe, hein? Est-ce que tu as déjà vu des anciens boxeurs? Le temps d'y penser. Moi, j'ai l'habitude de penser avant. Ça me plaisait au début. À cause des lumières et la foule, les yeux de l'autre. C'est ton père qui t'oblige? Il aimerait que je réussisse ce qu'il a raté. Moi, j'ai la boxe en horreur. Moi aussi, mais pas lui. Chacun donne l'importance à ce qu'il aime. Ou bien c'est le contraire. Quand on aime quelque chose, ça prend de l'importance. Mais moi, je m'en fous. Vous comprenez? Même une femme en se forçant un peu arrive à comprendre ça. Présente Vénus. C'est mon seul amour. Merci. Jamais? Jamais. Parle-moi encore. J'aime t'écouter. Comment jamais devient tout pareil? Les filles ne me demandent rien. N'ont pas besoin que je les paye. Elle couche avec tes muscles, pas avec toi. Et ton père croyait que t'étais puceau. Tu parles jamais avec lui? On n'a rien à se dire. On a tous beaucoup à se dire. Parfois, on n'a pas appris. Alors, on garde tout pour soi. Ça peut faire très mal. Tu l'aimes pas, ton père? Je n'ai pas dit ça. C'est mon père. Je l'aime comme il est. C'est quoi? Un rat, sans doute. Tôt ou tard, faudra que tu t'expliques avec ton papa chéri, si tu veux te sortir de la boxe. Il t'a déjà payé, mon père? Il t'a dit si on se reverrait? Non. Reste. Viens. J'en étais sûr! Espèce de salope! Salope! Dieu de Vérole. Qui c'est celui-là? C'est mon mari. Salut Claude! Salut Denis! Reste pas au froid, hein? Et pour toi, champion? Je crois que t'es le dindif. T'as des invités? Le ministre des Sports et toute sa clique? Je t'ai fait des chouquettes. À ta place, je m'entraînerai pas aussi fort. T'as la gueule couleur bidée. Hé, hey Maurice, je te parle. Je t'écoute. Ils te croiront pas. Ils te croiront pas. Et s'il n'y a pas de légitime défense, il n'y a que des meurtres. Je veux voir les flics, l'aide de la vérité. On t'en aime pas. T'as piqué la grosse tête? Ou alors c'est la gonzesse? Quelle gonzesse? Eh ben celle que ton père... Ils m'ont emprunté du fric pour la payer. Il t'a tapé pour ça? Ben 1000 balles. J'espère que ça les valait. Bien, je t'ai mis aussi des herbes. Tu payes ou je le marque? Comme tu veux. Arrête de me faire chier, merde. Qu'est-ce que t'as? Des boules ou quoi? C'est d'avoir perdu contre cet enfant. Tu sais bien que je m'en tape.
Ouais, ouais. On dit ça. Passe à la maison. Kadja sera contente de te voir. Un de ces jours, on ne parle pas de boxe. T'as compris? D'accord. Il n'y a que des meurtres. Il tient un restaurant avec son frère. Il est riche, très riche. On pensait qu'on l'a tué pour l'héritage. Tu comprends rien à ce que je te dis. Tu comprends rien à ce que je te dis. Il est riche, très riche. Il tient un restaurant avec son frère. On a pensé qu'on l'a tué pour l'héritage. Où tu vas? Je vois le flic. Il a dit la vérité. Ils croiront pas. S'il n'y a pas de légitime défense, il n'y a que des meurtres. Écoute-moi bien. Je vois le flic et tout le raconter. T'as compris? Avec ton père. Je suis sa maîtresse depuis un an. Tu mens. Je ne sais pas pourquoi, mais tu mens. Je suis pas une pute, tu sais. Je fais ça pour lui faire plaisir. Mon père ne peut plus rien faire. S'habite à la morte. Lui seul est incapacité. Tu veux quand même pas que je te raconte ce qu'on fait ensemble? Si? Ça sent bon. C'est ma bavette. T'as gagné au loto pour acheter cette viande? Tu t'appelles ma pension le loto? Alors? C'est comment avec la pute? T'as pas regretté le fric que t'as pas là. Oh, quelle grande gueule il a, ce con. Maintenant, tu arrêtes ce type de cadeaux. Bon. Ça te donne la pêche, hein. Je vois pas pourquoi. Moi, je baisse quand je veux. Passe commande. Merci beaucoup. Et maintenant, marche. Ne me parle pas comme ça. Je suis ton père. Et moi, ton fils. On est d'accord? Ben, je suis pas encore un fils. Ça, je le sais. J'en ai sauté des dizaines depuis mes 16 ans. Je t'ai pas attendu. Quelque chose le tracassait, j'en étais sûr. Il se défoulait. Il se saoulait. De sueur et de colère. Je n'étais pas en mesure de comprendre pourquoi ce retour à la salle lui procurait autant de larmes. Et même j'aurais été bien surpris si quelqu'un m'avait prédit les bouleversements que cette journée allait apporter dans la vie de Maurice. Et dans la mienne. Maurice,
Viens, je te présente Monsieur Farragus. T'es un des mille lourds ? Non. J'aime bien quand ça brûle. Jusqu'au jour où tu vas te retrouver tout blanc, t'auras l'air malin, tiens. Quand on la prend trop chaude, la douche ramollit le muscle et le cerveau. Le cerveau qui n'est pas un muscle. Vous m'avez étonné tout à l'heure. Tinès n'est pas un rigolo. J'ai eu la chance. Oh, c'est pas le moment d'être modeste. Hein. Vous êtes bientôt majeur, je crois. À Noël. Être un double. Je m'occupe de tout ça, ok? Je ne sais pas trop. Vous serez décidé, vous me préviendrez. Et voilà. T'es bien avancé maintenant. Enculé. Ça non plus, c'est pas pour tout de suite. Salut. Salut. Tu pourrais t'arrêter, non? J'ai pas le temps. Mon père m'attend. Justement, il t'attend plus. Pas ici, en tout cas. Au cimetière. Il m'a demandé de te le dire. Au cimetière? Ouais. Devant le caveau de famille, puisque vous en avez un. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que notre caveau à nous, il est là. Il nous laisse peinard pendant les fêtes, et puis après... Tu déconnes. T'es aussi aveugle que mon père, toi. Ciao, Maurice. Fais attention à toi. Pourquoi on est là? J'ai des remords de t'avoir éloigné de moi si longtemps. Ça a toujours été ma fierté, ce tombeau. Je me suis dit que si un jour tu devenais champion, les journalistes pourraient venir ici. Et je voudrais pas qu'ils aient une mauvaise idée de la famille. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Quand bien même il viendrait pas. Ce sera ma place plus tard et j'y tiens. Tu vois, si tu gagnes plein de fric un jour, je te demanderai un service. Ah ouais? Ouais. Ramener mes vieux chez eux là-bas. Mais Germaine et moi, on est d'ici et on y restera. J'espère que tu feras comme nous. Tu me laisses le temps, tu veux? Bon, on se tire, ils nous ont assez vus. Papa, il faut que je te dise. Je vais arrêter la boxe. C'était bien la peine que je te renvoie au Cameroun pour te faire entraîner. Remarque, je m'en doutais. Depuis que t'es tout petit, tu penses qu'à toi. Et moi, je veux que ton bien. T'as reçu des vrais outils à ta naissance, seulement tu sais pas en profiter. T'es pas fait pour les métiers de chochotte, musicien, horloger. Pourquoi pas la grosse caisse? En sportif. Là, tu peux écraser tout le monde. Seulement, t'as pas envie. Et moi, j'ai plus rien à dire, tu vas être majeur. Allez, on sort, je respire à l'économie là-dedans. C'est pas moi qui t'ai amené. Je voulais seulement me dire que la famille, dans la vie, il n'y a que ça de vrai pour aider. Quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses. C'est un excellent endroit pour te le rappeler. Salut mon gars. Inspecteur Riffard. Il a fait des conneries, mon père. Vous étiez bien avec Madame Mouche dimanche dernier. Mouche la pute? Nora Mouche, c'est pas une pute a priori. Vous n'allez pas me croire, t'es un cadeau de mon père. Je vous remercie. Vous confirmez ce que tout le quartier m'a raconté. Alors pourquoi vous me demandez ça? Mon gars, une enquête, c'est fait avant tout de vérification, de confrontation. Est-ce qu'un homme est passé quand tu étais chez elle? Il faut que je vous dise. Je n'en veux pas pour moi-même de la tringler. Faut pas le dire à mon père, ça ne fait rien à la peine. Je me posais pas de champion du monde.
ou deux repas à la rigueur. Et après? On a regardé la télé. Un type était arrivé, parlant du divorce. Fort, un peu trop fort. Je me suis levé, il est devenu raisonnable d'un coup. Et après? Je me suis tiré. Et lui? Il est parti en même temps que moi. Et Madame Mouche, tu l'as revue? Pas plus tard qu'hier. Elle avait besoin de fric, moi aussi. Alors ça l'a découragé. Le mec, c'était son mari. Oui, mon vieux. Au bord du divorce, en effet. Il a disparu dimanche et on a perdu sa trace depuis chez elle. Est-ce qu'elle aurait pu le tuer? J'ai pas d'idée là-dessus. C'est un mec sur le ring, je l'éclate la tête facile. Mais une femme n'aurait pas la loi avec lui. T'es un bon gars. Tu ne te dopes pas, au moins. Oh, les fraises, c'est méchant. Tiens, champion. Féral, on a volé Mouche. Écoute-moi. Fais comme si j'étais pas là. Ce matin, le frère de mon mari est venu demander de ses nouvelles. Je lui ai dit qu'il était passé me voir, mais qu'il n'était pas resté longtemps. Je la trouille, Maurice. Ce mec avait des yeux de fou de nous. Je vais partir. Où ça? Loin. En Australie. Là où personne ne me suivra. Pourquoi pas le désert de Gobi? Pourquoi pas? Je connais pas. J'ai dit ça au hasard. Te vexe pas. Tu as vraiment la trouille? Plus que ça, Maurice. Plus que ça. Tu as tort. Sommer, c'est ma mort. Je veux que tu le saches. Cette fête, c'est Monsieur Maurice Mailleux. Te voilà. Tu vas la voir, la différence. Là, tu vas montrer qui tu es. C'est pas devant des branques. Rudy ! Nous allons boire à sa majorité et à son entrée dans le professionnalisme. Allez, messieurs, faites votre travail. Bonjour. Bonsoir, Jacques. Tu connais mon ami Caron ? Oui, bien sûr, je connais même que lui. Alors, tu ne participes pas aux libations ? Oh, tu sais, moi, je me sens plus à l'aise dans les salles d'entraînement. Marcel, vous vous attendez à une réussite aussi spontanée? Depuis toujours. À quoi l'attribuez-vous? À son intelligence. Pour vous dire que, à sa naissance, bon, il est sorti du ventre de sa mère. En premier, c'est le cul qui s'est présenté. Vous voyez tes couilles, alors le message, pour moi, c'est un garçon. Je suis content? Je suis très content. Ça fait une belle fête? J'adore, j'aime bien la fête. Il y a plus d'ambiance ici. Moi je vois aussi, il y a ambiance. Oh non, musique! Thank you.
sur le ring, on croit que tu vas danser un temps. Tu te mets à parler comme Jackie, toi, maintenant. Où celui-là? Je ne sais rien, moi, il doit être en moi. Monsieur? Les fraises ou le jus d'orange? Il n'y a plus de les fraises. Nature, le jus? Nature. Du con, tu te souviens de moi? Rien qu'en entendant ta voix. Tu es le mec qui se prend pour Tyson et qui parle comme Madonna. Tu as dit que tu allais perdre contre moi en demi-finale? T'as ta valise? Quand je me serai occupé de ton cas, tu tiendras plus dans la valise. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je veux que tu me la laisses en héritage. Tu n'en auras plus besoin sur ton fauteuil roulant. Hey! Du calme, faut pas être impatient comme ça, hein, ma Corée? Tu l'auras ta revanche, mais sur le ring seulement. Parce que là seulement, je n'aurai plus à intervenir. Hein? Qu'est-ce que vous foutez là? Il faut que tu saches qu'un policier peut, dans certains cas très particuliers, se passer de carton d'invitation. Ok? Personne n'avait rien vu. Il avait ramassé la bague avec une indifférence royale. J'étais à peu près sûr d'avoir reconnu les initiales, H.M. Henri Mouche. Le disparu. Tout me portait à croire que ce disparu était bel et bien mort, et que dorénavant, Maurice serait irrémédiablement lié à cette femme. Mesdames et messieurs, voici le combat revanche de Maurice Mailleux, dit Boxing Baby, contre McCoy. Cette fois, il s'est mis ton fiston. Et le titre ne peut pas lui échapper. Les applaudissements et les huées qu'on va truquer aux boucheries, la revanche de Boxing Baby est sans appel. C'est dans une émotion recueillie que Marcel Mailleux savoure la victoire éclair de son fils. Ou bien, dans le visage ensanglanté de Macoré, se sent-il ramené quelques 15 années en arrière, dans la lumière de ce match à l'issue trop prévisible qui avait laissé Marcel infirme pour la vie. Quoi qu'il en soit, le scepticisme et l'amertume ne semblent pas devoir céder la place à l'enthousiasme légitime qu'aurait pu engendrer un tel triomphe. Du côté de Bagneux, on se demande si la...
Il est pas là. Je sais. C'est pas lui que je viens voir. On se connaît? Fischler l'appelle. Au vieux surtout, il sait plus où il habite. Trop de malheur, trop de bonheur. Laisse-le décider tout seul. Tu serais une espèce de punaise, toi, que ça m'étonnerait pas. Tu dis deux mots d'un côté, la lumière se fait de l'autre. C'est de Maurice que tu veux parler? Tire-toi, cherche pas la guerre, j'ai pas les moyens, moi. Je te le dis, moins tu te montres, mieux ils se porteront. Et si j'avais quelque chose d'important à leur dire? Par exemple? Qu'ils se rendent sur moi, même si j'ai dit des conneries. Ils s'en foutent, vieux. Et puis si c'était vraiment important, t'aurais pas hésité. T'es encore plus belle qu'il le raconte. Crise cardiaque, il est passé à côté de la mort. Je m'occupe de la famille. La coke? Entre autres, avec un peu de doping. Mais ce n'est pas ça qui l'a envoyé au tapis. Tu as été splendide. Ton père a préféré se coucher, il ne tient plus le coup. Tu devrais le surveiller. N'oublie pas que tu es un homme public. Et toi, tu nous fais un bon papier bien larmoyant. Je te lance. Georges, sur mon compte. Me lancer. Pourquoi faire? Que je retombe plus bas? Déjà là, quand les éboueurs passent, là, j'ai peur qu'ils m'embarquent. Qu'est-ce que tu racontes? Conneries. Je me fais mon petit roman à moi, mais un jour, je finirai par l'écrire. Bagne les flots. Revoir la mer. T'as pas envie d'aller voir la mer, Maurice? Non? Bon, alors raconte-moi ton combat. Et surtout, n'oublie rien. Hein? Tu n'étais pas dans la salle? Bah, bien sûr que si, mais lui, il l'a vu de l'extérieur. Dès que toi, tu vas lui raconter de l'intérieur. Je comprends. Moi, on n'a pas besoin d'un pennasse comme toi. Ça ne t'a pas fait plaisir que j'ai gagné? Il n'y aurait pas eu ça. Allez, déconne pas, Toto, lève les bras. Tu me prends un petit café? Bien noir. T'as su pour la pute? Non, donne ton pied. Ah, je l'ai bien choisi. Tu vois pas que c'est elle qui a buté son mari? Tu pourrais être emmerdé. Non, ne t'inquiète pas. Nous, on a la boxe. Mais elle, elle est seule. Elle est complètement seule. Dis donc, t'imagines si t'avais abandonné? Qu'est-ce qui te resterait? Toi. Dis papa, je pourrais travailler à mi-temps pour aider un peu. Pas question. Il y a le championnat et tu dois penser qu'à ça. D'ailleurs, Claude m'a demandé de faire de la compta. Son mec l'a quitté. Et en plus, il me paiera au black. Comment tu la connais, Nora? Bah, chez Georges. Il me l'a montré, elle buvait sec. Ah, ça l'a pas fait marrer quand je lui ai dit pourquoi c'était. Elle m'a regardé avec ses yeux clairs et puis elle m'a dit « Ça tombe bien, je suis au chômage. » Et puis elle a souri. Un peu triste, le sourire. C'est vrai que c'est ta maîtresse? Dis donc. Raconter des trucs comme ça, c'est dégueulasse. Surtout à mon sujet. Je répète ce qu'elle m'a dit. Si ça avait été ma maîtresse, je l'aurais jamais refilé. Jamais. Et en plus, tu sais très bien où j'en suis de ces choses-là. J'espère qu'on aura pu en reparler. Comme un menti.
La vérité? À quoi ça pourrait bien servir que je vous dise la vérité? De toute façon, c'est toujours vous les flics qui décidez. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il était là, il n'est plus là. Voilà la vérité. Il était là quand ça l'arrangeait, quand il avait envie de me sauter. Je suis une femme d'amour, vous l'aviez compris? Une pute, comme ils disent. Je m'envoie en l'air et c'est pas une image, croyez-moi. Avec qui me plaît? Boucher, marginaux, plombier, poète, boxeur, flic même. Incognito ou en uniforme. Il en a peut-être eu marre. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, inspecteur? Vous seriez resté là à attendre votre tour? Regardez. Regardez bien. Ça, c'est des lèvres de pute. Un visage de pute. Des épaules de pute. Les seins aussi. Des seins de pute. Un cul de pute. Un vrai cul qui bouge, qui chavire, qui tourne comme un moulin. Vous avez quelque chose contre mon cul, inspecteur? Je ne l'ai jamais aimé. Je souhaite de tout mon cœur qu'on ne le retrouve pas. Je vais vous dire, inspecteur. J'espère qu'il est mort, qu'on l'a tué. Si vous arrivez à dénicher l'assassin, amenez-le-moi. Parce qu'avant que vous le foutiez en tôle, j'aimerais bien lui dire merci. À ma manière. Ce sera ma dernière volonté. Il faudra laisser le boxeur tranquille. Madame Mouche. Ou dois-je déjà dire Madame Veuve Mouche? Tomber le repassage. Allez, va prendre l'air, je m'occupe du reste. Toi, tu tiens à peine debout? Ah bah vas-y, mets-moi l'hospice des vieillards tant que tu y es. Allez, 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 je peux te voir ici.
complètement dingue de m'avoir demandé de venir en ce moment. Je t'ai manqué. C'est pour ça que t'es là, avec toute la menace qui pèse sur nous. Dis-le-moi si tu l'oses. T'es vraiment gonflé, hein. Enfin, tu dois bien penser comme mon père et moi on s'est parlé. Ah, c'est ça. C'est que ça. J'ai pas le choix, Maurice. T'aurais pu le comprendre sans venir me demander des comptes. J'ai fait de la prison il y a 5 ans. Henri m'a tiré d'affaire. J'ai épousé. Et puis j'ai toujours eu peur des flics. J'ai pas réfléchi, j'ai menti au hasard. Fallait que tu m'aides. Je regrette sincèrement. Tu as bu. Quand je bois, je pense plus. Ça me fait une chaleur, là. J'ai peur, j'ai honte. J'ai envie de mourir. Et qu'ils sont venus quand même? Ah oui. Oui, ils sont venus. Pas vraiment gentils avec moi, d'ailleurs. Mais j'ai tenu bon. Heureusement qu'on avait enroulé Henri dans le tapis. Tout sang sur cette laine. Ils ont rien trouvé, tu vois? Ils t'ont parlé de moi? 2 ou 3 fois, je sais pas. Ça compte pas pour eux. Je le sais, ils cherchent ailleurs. Ils ont mis une enveloppe dans les vestiaires. Dedans. Pourquoi j'aurais fait ça? Tu sais que c'est pas toi, mais regarde. Les lunettes. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Il faut plus qu'on nous voie ensemble, Nora. Mais qui t'envoie ces saletés? Et pourquoi? T'as pas d'argent, t'as rien! C'est peut-être autre chose qu'ils veulent. Mais quoi? Je n'en sais rien. Tu penses qu'à t'en aller? T'as peur, toi aussi. Viens. Viens. Viens contre moi. Sur moi. Tant que je t'aurais pas senti dans mon ventre, je saurais pas si je t'aime. Faut que je sache si je t'aime. Ça changerait tout. Moi, je n'ai pas besoin. Tu sais, pour mon mari, t'as pas regretté, c'est un salaud. Je suis sûre qu'il brûle en enfer. À moi qu'il a acheté le diable. Je vais me revoir. C'est mieux pour moi, c'est encore mieux pour toi. Je suis rien. C'est ça que tu penses. T'as raison. Je suis rien. Au fond, tu me hais. Je voudrais bien, ça serait plus facile. Changerai tout. Il y a le flic qui veut te voir. Mon patron voudrait te dire un mot, ça ne te dérange pas? Non. Il y a du nouveau? Mon patron a trouvé fabuleux, je dois dire, ton combat de l'autre jour, mais c'est dommage que l'autre, visiblement, était camé. Ça fait un peu fausse victoire. Je ne vois pas le rapport avec la disparition de Mouche. Ah, il n'y en a aucun, mon gars. Mais en te regardant boxer, j'ai étudié ta façon de faire. C'est marrant, tu attends l'adversaire, tu l'observes de loin. On a un peu l'impression que rien ne se passe. Et en un quart de seconde, bam, tu fonces dans le tas. C'est comme nous, on fait semblant qu'on n'est pas concerné. Il y a longtemps que tu boxes pour de vrai. Quelques matchs seulement. Il n'y a pas de différence pour moi. Pour l'instant, j'ai été impressionné par personne. Mais Tardif le fera, à ce qui paraît. Est-ce que tu l'as déjà vu combattre? J'aime pas voir les matchs, ça me prend la tête.
Tu es fort. Tu iras loin si tu continues. Fais-moi confiance. Merci, madame. Ah, tu fatigues pas, elle est sourde. Comme elle ne dit jamais rien, je mène une vie de pacha avec elle. C'est ma mère. Et la tienne? Elle est morte à ma naissance. Ah, c'est pas plus mal. Tant pis si je te choque. Moi, c'est pas pareil, moi. Jamais su la quitter. Toi, t'as ton père. T'as la boxe. Je sais pas si ta mère aurait aimé qu'on te frappe sur la tête pour le plaisir. Moi non plus, je ne sais pas. De voir sur le ring, on devine que t'es libre. Libre devant l'adversaire. Ça se voit aussi dans tes yeux. Vous pouvez taper, qu'ils disent. Taper, mais taper donc. J'ai de compte à rendre à personne, moi. Je vous emmerde, moi. C'est tout à fait ça. Je vous emmerde, moi. Je vous emmerde. Riffard, vous voulez bien? Écoute bien, c'est le premier CD des copains de ton quartier. Alors, maintenant, je suis vraiment un homme public? On sait beaucoup de choses sur toi. Tes goûts, tes amitiés, tes amours. Riffard encore plus. Oui, mais moi, je suis de ta race. Je suis ton frère. Et prêt à tout si on te cause des ennuis. Tu vas nous faire une crise de jalousie, le monstre. Je connais personne comme lui pour se planquer. Iceberg à l'extérieur, tout feu, tout flamme à l'intérieur. Dis donc, Maurice, qu'est-ce que tu penses de la mère mouche? Rien. Je crois que c'est une garce. Elle est dans le coup pour son mari. Alors, si elle cherche encore à te joindre pour quoi que ce soit, tu nous préviens, ok? Ok, je compte sur toi. Si les flics t'emmerdent, tu me dis, je m'en occupe. Pour le moment, on en est au thé et au petit gâteau. C'est parfait. Alors, une chose à te mettre dans la caboche. Tu ne vas pas devenir champion, tu es champion. Monsieur? En me forçant. Maurice. Vous en faites pas, monsieur Farragus. C'est un marrant, depuis qu'il est tout petit, il est marrant. J'aime ça, Marcel, j'aime ça. Surtout quand ça se double d'un boxeur qui va accéder au plus haut niveau. Le plus haut niveau pour vous, c'est quoi? Le championnat du monde. Tu vois, Maurice? T'es à charge, donne-lui donc sans les fraises. Je ne me suis pas trompé. Ton vieux compère, il s'est pas trompé. Rien n'est fait, papa. Maintenant, le temps de Mariol va s'éterminer. Je vais tomber sur les vrais points de vue. Ne fais pas de bile. Les terreurs, je les connais. Pour commencer, on va te lancer comme une savonnette. Hé, hey, Philippe, viens par ici. Monsieur. Raclan s'en occupera. Fini, Boxing Baby. On te trouvera un surnom plus propice à ta valeur, à ton niveau. Je veux que demain, plus personne ignore qui est Maurice Mailleux et le danger qu'il représente. Pas de légende. La vérité suffit. T'as compris? C'est comme si c'était fait. Quant à toi, tu dois me faire une confiance absolue. Je veux bien, monsieur Farragut. Je ne suis pas contre. Mais si je m'aperçois qu'un seul combat est truqué, vous ne me revoyez plus jamais. Gagner pour gagner, je le laisse au con. Note! Raclan, note! C'est une phrase de champion, ça! Tu vois la manchette? Gagner pour gagner, je laisse ça au con. Signé. Tu trouveras le nom. J'aime tes idées, Maurice. Tu es un mec bien. À tous les points de vue. Wonder Boy! Quoi? Le nom? Wonder Boy. Wonder Boy. Ça m'était sorti de la bouche comme ça, sur l'instant. Et déjà, le surnom faisait le tour du monde. On le criait de ville en ville, de pays en pays. Maurice l'avait accepté avec fatalité, de la même manière qu'il acceptait la boxe et ses victoires, sans réel enthousiasme. Il était devenu un pro, une machine à gagner. Du violon, on n'en entendait plus parler. Autour de lui, son ascension réjouissait les cœurs ou servait les intérêts. Farragus rayonnait. Il tenait son champion. J'aidais de mon mieux avec mes articles. Les mois passaient, Maurice faisait ce qu'on attendait de lui, mais de temps en temps, son œil s'absentait, quittait le ring et le monde pour un ailleurs dont je connaissais maintenant le visage. Ma chère Noire,
7 mois déjà. 7 mois que tu m'as dit que tu voulais me sentir dans ton ventre. J'y pense sans arrêt. Je te fais porter cette lettre par Bastien qui rentre à Paris ce soir. Avant, j'avais peur de t'écrire. Les flics me téléphonent tout le temps pour m'encourager. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je m'en fous. Ce qui compte, c'est toi. Avant chaque combat, je me concentre très fort jusqu'à ce que je te vois et comme ça, je t'aime. Je t'aime. Tu sais quoi? J'ai envie de faire des conneries. Des conneries bien rigolotes. Tu vois, Maurice, je me suis dit qu'il fallait mettre des fleurs, pas seulement pour mes parents ou pour ta mère, mais pour toute la misère du monde. T'as pas picolé un peu, papa? L'homme n'est pas bon, Maurice. Parfois, la mauvaise action d'un seul peut entraîner la condamnation de plusieurs. Tu penses jamais à ça, la nuit? La nuit, moi, je dors. C'est bien. Maintenant, à l'office. Belle voix, notre fille. Hein? C'était une belle messe, mais en plus je trouve qu'elle a bien chanté. Si c'est de la provoque, ça n'aura le cas net. Reste là. Je ne peux entendre parler de cette pute. Mes copains me charrient depuis la disparition de son mari. Il n'a pas disparu, elle est là. Tu vois? Comme je te vois. Foutons le camp, bordel, foutons le camp! Monsieur Mailleux! Monsieur Mailleux! Laisse cette fille dans sa merde. C'est un être humain comme nous. Pas comme nous, Maurice. Elle, elle est blanche. Monsieur Mailleux. Bonjour. 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 Je vous présente Paul Mouche, mon beau-frère. Il y a vraiment une ressemblance. Ah oui, hein. Ça fout un coup quand on s'y attend pas. Dans quelle branche travaillez-vous? Les pompes funèbres. Au revoir, monsieur Mailleux. Vous avez tout vu, c'est plus la peine de vous téléphoner. Le commissaire a raison. T'es un bon gars. Faut que ce soit moi qui vienne pour te saluer. Oh, arrête, j'étais pas là, je suis arrivé hier. Ça fait un joli parcours, Maurice. Si, si. Alors, je te le dis tout net. Aussi vrai que je suis un voleur et un radin. Si tu gagnes contre Barrette, je te file 20 000 balles. Qu'est-ce que tu veux en échange? Rien. Comme ça, tu pourras lâcher ton violon. Seulement... Lanora, tu la laisses tomber, t'as compris?
On a les flics sur le dos. Et ça, c'est pas bon pour le commerce. Il n'y a pas que la fin mouche dans le quartier. Il y a les promoteurs aussi. Mais dis donc, t'as la voix qui tremble. Tu me regardes même pas en face. T'es pincé, quoi. Il est pincé. Alors, Maurice, t'es prêt à croiser de gonzesse? Lâche-moi, papa. Tu vas repartir, je sais plus rien. Il faut que je parle à Maurice. Vous pouvez lui dire? C'est si important? Ça dépend pour qui. Un coup de main? Un type connu qui nous aiderait? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Une déclaration à la presse? Et à la squat ici, ils sont heureux comme ça. C'est pas mon truc, Manu. Ton truc, c'est Nora, je sais. Chaque fois pareil. T'as la boxe, ils préfèrent le violon. Et moi, je passe pas lourd en face de cette fille. Je te l'ai déjà dit. Tu es ma frangine. On a grandi ensemble. Tu baises avec elle? Non. Même pas. Alors je peux pas lutter. Quand je pense à ce qui va tomber sur la gueule, mon pauvre Maurice. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon... Sinon quoi, tire-toi? D'accord. Un conseil avant de partir. Baise-la, oublie-la. T'as pas la tête à ce que tu fais, c'est pas bon pour la boxe. Nous tous dans le quartier, on veut que tu gagnes. C'est notre seule chance. Bon Dieu de Vérole, me font tout chier. Je ne suis pas le Christ, moi. J'ai vu ma vie comme je l'entends et comme je veux. Mais c'est qui j'ai envie. Ça ne te portera pas bonheur. Après la victoire, il sera à vous. Maintenant, il a besoin d'un peu de concentration. S'il vous plaît, allez. Oh, c'est pas sympa, soyez gentils. À la voiture. C'est sympa. Donc, détends-toi, mais pas trop. Te casse pas, ça va aller. T'inquiète pas, j'amène ton père. Mais surtout, vide-toi la tête. Comment tu te sens, champion? En forme? Mon père me l'a posé 10 fois ce matin, cette question. C'est chouette, le pognon, hein? Ça dépend comment on le gagne. Amusant. J'ai rien contre toi. Et ça restera comme ça. Tant que tu te mettras pas dans la tête de t'attaquer à Faragus. Qu'est-ce que tu veux que je foute de Faragus? C'est pas mon truc. Je t'aurais prévenu. Ne me fais pas chier avec tes crises de jalousie. T'as compris? Tu tiens lui pour le blé ou parce qu'il baisse bien? Et c'est pas le grand berger, champion. C'est plus simple que tu crois. C'est pas une question de goût ni une question de morale, c'est une question d'être disponible. Je ne suis pas disponible. Toujours ta pute? Arrête-moi là, je finis rapide. Tu veux la faire de ta vie? Parce que... Thank you.
Elle avait osé.
Elle était venue braver tous ces gens sans se demander si la mise hors de cause signifiée par le commissaire n'était pas un piège. Son entrée dans l'arène ne lui avait valu ni colibets ni applaudissements, seulement des regards. Des regards qui sentaient la défaite. Nora semblait sûre d'elle. Sans provocation, elle portait haut sur son visage une jeunesse du cœur inaltérable. Parce qu'elle se savait aimée et amoureuse. Jackie, Faragus et Marcel se devinaient dépossédés. Il m'a fait plaisir, fiston. Ça, je m'en souviendrai. Arrête avec ton sérieux, papa. Lâche prise. Dites, monsieur Faragus. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, champion? Gagner un peu de poignant. Comment tu peux penser à ça après un si beau combat? Justement, ça m'a donné des idées. C'est à monsieur Faragus que je parle. Jackie et toi, vous n'avez plus rien à y voir. Ah ouais? Souviens-toi, les coups, c'est moi qui les prends. Puis je suis majeur. Bravo. Tu es agressif. Continue. L'agressivité te fera gagner contre meilleur que toi. Question fric. Je peux avoir avec des sponsors 10 ou 15 000 balles. Si tu gagnes, tu verras. On fera avec. Et tu te la boucles, parce qu'en principe, tu n'y as pas droit. Promis juré. Tu m'en voudras pas, Jackie, mais dorénavant, Caron s'occupera du petit avant et après les combats. Il te restera le ring. Ciao, belle. Ciao, Tosti. Non, mais monsieur Paragus, vous croyez que... C'est pas moi qui suis venu vous chercher. Petite salope. Mais tu vois pas que cet enfoiré va te coincer? Diriger ta carrière comme il l'entend? Je me suis toujours douté qu'il chercherait un jour à nous monter l'un contre l'autre. Mais j'aurais jamais pensé que toi, tu jouerais son jeu. T'as aucune reconnaissance. Te calme, Jackie. On va aller voir Faragus, on va tout remettre à plat. Bah, tu coûteras même pas. Jamais un champion n'a touché du fric avant le titre. Jamais. Lui, il paie, mais c'est pour t'avoir. Tu ne suis pas une pute. Sans petit, je me fais marrer. Marre-toi bien. Parce que ça durera pas. Faragus, c'est pas le mauvais mec, mais c'est qu'un intermédiaire. Très puissant, d'accord, mais... Il fera que ce qu'on lui demandera de faire, et moi je sais comment me mettre au milieu. Mon dieu de Vérole, Jackie, les maillots, c'est pas des larmes, je l'ai prouvé, non? Toi? Oh, bah dis donc, t'as pas beaucoup de mémoire. Hein? Ah, tu peux l'abrandir, ta dignité. N'oblige pas à parler, j'en ai pas envie aujourd'hui. Allez, laisse-nous. Vous allez quand même pas vous chicorer après une si belle victoire. S'il te plaît, Marcel! Dis donc, champion, il y a un de tes potes, Bastien Trucbuche, qui te demande si t'as pas oublié dimanche le déjeuner chez lui. Ben justement, j'allais oublier. C'était pas à toi de discuter fric avec Faragus. C'est à moi de marchander. Là, tu restes dans l'ombre, ça te laisse libre. 15 000 balles. Monsieur Nomone, moi c'est 150 000 que j'aurais obtenu, tu me fais confiance? Tout le problème de là, Jackie, je t'ai fait plus confiance. Du fric, j'en ai jamais eu. Il semble que nous, on ne peut pas, mais Faragus, il peut. C'est aussi con que ça. Ah bon? Alors, je vais juste te dire une chose. Si tu me fais baiser par Caron, t'auras une surprise très désagréable. Je suis prêt à tout. Parce que si tu me largues, moi, dans ma vie, j'aurais plus rien. Bonjour. Qu'est-ce que t'avais besoin d'apporter ça? Je ne viens pas si souvent. Ah, tu peux le dire. Bastien a raison quand il traite de la chair. Bastien! Dis donc, c'était pas prévu, ces déjeuners. Tu verras ça avec lui. Bastien! Moi, vos histoires de mecs... J'avais des pulls pour toi, pas cher. Moitié laine, moitié synthétique. Ton père, avec ses polos, font plus de trous que d'étoffes. Il aurait dû investir, hein. Tu les as plus? Non, c'était un lot, une occasion. Pas l'occasion du siècle, hein. J'ai filé tout un stock à tes potes de quartier, là. Viens voir, j'ai une surprise. Ah oh, non, tu m'auras pas. Je sais comment là. Si. Tu vas aimer, c'est dans ma chambre. Et prends ton temps, rien n'est prêt. Même si t'achètes pas, t'auras toujours plaisir des yeux. Les flics ne t'ont pas suivi? Comment veux-tu que je le sache?
Bon Dieu, qu'est-ce que tu es belle. J'avais presque oublié. Viens ici. Je vais te rafraîchir la mémoire. Viens. Les voisins, c'est comme si mon entier m'en voulait. Pas moi, moi je t'aime. Et toi? Quoi, moi? Tu m'as dit, il faut que je te sente longtemps dans mon ventre. Oui, c'est vrai. Mais tant que le cadavre d'Henri n'aura pas été retrouvé, je suis pas tranquille. T'as plus rien envoyé? Non. Trouve-le. Qu'il disparaisse pour toujours. Maintenant que je suis avec toi, je vais arrêter la boxe. Plaisante pas. Non, les trucs que je n'aime pas, il y en a marre. Je vais vivre avec toi, te faire l'amour quand j'en ai envie. Et moi? J'ai mon mot à dire? Non, je t'aime trop. Je vais être égoïste. Et on vivra comment? Comme ça. Le titre, Maurice. Si t'es champion d'Europe, tu feras ce que tu voudras. Ça fait 3 ans que je coule la sueur sur le ring. Maintenant, fini. Viens. Track Faragus? Si, sûrement. Alors, ils te lâcheront pas. Fais ce match pour te rendre libre. Pour que je sois fière de toi. Fière? Oui. Fière. Tu m'as senti cette fois? Oui. Je t'aime, j'en suis sûre. Je t'aime parce que t'es loin de tout. Différent et pur. Je suis à toi complètement. Totalement. Alors, je vais gagner. Tu n'iras pas avec cette pute, je te l'interdis!
Je n'ai plus rien à m'interdire. Je suis majeur. Majeur? À ton âge, on a encore du lait qui sort du pif de mon temps. Il fallait avoir 21 ans. J'ai fait tout pour que tu ne restes pas seul. J'existe. Je vais te dire une chose que tu ne dois plus oublier. J'aime cette femme. C'est ma femme. Ne te mets pas entre elle et moi. Entre elle et toi, il y a déjà du monde. Il y a Mouche, il y a le mari, il y a les flics, puis il y a tous les mecs qui s'est tapé. Ne me parle pas comme ça, compris? Ne m'oblige pas à partir. Si je pars, je ne reviens plus jamais. Laisse cette salope où elle est. Elle a tué son mari. Tu as des preuves? Dis-le-moi, ça me fera marrer. Donne-moi ta parole immédiatement que tu la reverras plus, sinon je te massacre. Parce que toi aussi, t'es qu'un assassin. Pour tout ça, je peux me détaper sur une affaire. Je la tuerai, cette salope, je la tuerai. Le titre, tu peux te le foutre dans ton cul. C'est 15 ans de taper sur les enfants ici, Manu. Tu es devenu un grand champion, ne pense plus qu'à ça. Ils vont se régaler les médias demain. Le héros du peuple, le Zorro de la boxe. Allez, viens. Vous m'amenez où? Saragus. Qu'est-ce que c'est, ce guet-apens? C'est tapant. C'est un cadeau. On t'aime bien, figure-toi. Par exemple, on va plus t'embêter avec la disparition de Mouche. Pas de cadavre, pas de meurtre. Alors on laisse tomber. Pourquoi vous me dites ça? Je te le dis pour que tu le saches. T'as l'esprit plus tranquille que tu ne penses plus qu'à la boxe. Allez, monte. Prenez un cigare, Issa. Je sais que vous les aimez. Merci. Allô? Non, je veux le patron. Bien sûr, tout de suite. Mais je m'en fous de sa réunion. Faites apporter un lait fraise pour le héros.
champagne? Ah, Gilbert. Oui. Tu es déjà au courant? Tant mieux. Stop, les conneries. Non, ouais, avec le petit raclant. Il a une belle plume. Oui, oui. Je te ferai un communiqué pour l'AFP. Merci. Robin des Bois de la zone, comme ça, on en chiale dans les chaumières. Sola? Pourquoi pas? Ça fait ses preuves. Ciao. Maintenant, tu vas te montrer digne de ce que je fais pour toi. Entraînement intensif. Je veux que tu me le pulvérises, le tardif. Ah ouais. Alors, inspecteur, cette enquête? Au point mort. Tu l'as revue, de la bouche, depuis la messe? Non, moi, les putes, je ne la fréquente pas. Si Marcel n'a pas voulu jouer le Père Noël, je n'aurais jamais croisé sur ma route. Ça aurait été aussi bien. Les gonzesses, ça casse la forme. Elles te sucent la moelle jusqu'à l'épuisement. Le tonneau des Danaïdes. Sans compter qu'il y en a plus d'une qui croit que la bite se recharge aussi vite qu'en Waterman. Pourquoi? C'est pas vrai? Oui. Belle connerie la mort de cette petite. Sacrifice inutile. Ils n'auront que quelques jours de répit avant l'expulsion définitive, et encore, grâce à ton intervention. Et à tes articles. C'est pas moi le héros, c'est toi. Mais n'en fais pas trop, pense à ton père. Tu l'as vu au cimetière, accroché à son caveau, à croire qu'il attendait qu'on ouvre la porte. Je te parle de son accident. Je le sais, il n'a pas eu de peau. Comment ça, il n'a pas eu de peau? Ils lui ont balancé un tueur. Quoi? Lui non plus, il n'aimait pas les combats truqués. C'est qui alors? C'est Faragus? L'étage au-dessus. Faragus, c'est qu'un exécutant, il doit rendre des comptes. C'est qui alors? On les connaît pas, on les voit jamais. C'est aussi pour ça que l'enquête sur Mouche traîne en longueur. Mort ou vivant, Henri devient pivot. Tu rentres chez Nora? Ouais. Je te laisse? Je peux venir. Si tu ne sors pas les mêmes conneries que mon père ou Jacques. Dans ton roman, comment ça finit entre Nora et moi? J'en suis pas encore là. Pour l'instant, t'es en train de devenir champion du monde. Quand le poudron est dedans? Bon Dieu de Vérole, elle s'est barrée. Tu sais quelque chose, j'en suis sûr. Qui lui a dit de partir? Elle a peut-être décidé toute seule. Ça, c'est pas possible. Qui se démerde, puisqu'ils le veulent, puisqu'ils contrôlent tout, puisqu'ils peuvent tout. Moi, je veux Nora, ou je ne boxe pas dimanche. Prends pas les choses à l'envers. Fais ton match et le miracle aura lieu. Elle reviendra. Tu te rappelleras même pas qu'elle était partie. Mais tu ne comprends rien. Ils ne comprennent rien. Tous ces cons. Je ne peux plus vivre sans elle. La plus forte raison. Sers-toi de ta peine. Sers-toi de ta colère. Sers-toi de ta haine. Et gagne. Naturellement, j'avais menti. Pour son bien. On ment toujours pour le bien de quelqu'un. La vérité sur le départ de Nora, je la connaissais, mais je ne pouvais pas la dire sans briser le rapport de Maurice à la femme et à la boxe. Il fallait qu'il gagne, pour lui-même et pour Nora. Moi, mon destin était joué. Je n'étais plus en péril. Laisse les gars. Gauche, gauche, gauche. Gauche. Plexus. Jackie, ça va comme ça. Gauche, gauche. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, Texas. T'es pas avec Jackie, là? Thank you.
Tu vas pas être simplement bon, tu vas être le meilleur. Merde, merde. Oh, les pourris. Toujours la même chose. D'abord Marcel, maintenant Maurice. Et cette fois, ils m'auront pas. Maurice Mailleux, 1m90, 106 kg, qui n'a pas tout à fait 20 ans, est d'origine camerounaise. Comme un autre de nos grands champions, Yannick Noah. Né en France à Bagneux, le jeune Maurice, fils du boxeur poids lourd Marcel Mailleux, dont nous ne rappellerons pas ici le tragique parcours, est retourné au pays de ses ancêtres le temps d'y recevoir un entraînement spécifique, au terme duquel il nous a rejoints pour enchaîner assez vite une série de succès fracassants dans la catégorie poids lourd amateur. Depuis son entrée dans le professionnalisme, pas le train de ce pas. Avant la limite et une seule défaite. Personne n'a oublié l'exceptionnelle demi-finale de Bercy où notre jeune Wonderboy a fait preuve contre le puissant Barrett d'un punch redoutable. Faut-il rappeler par ailleurs qu'il est soutenu par Rudy Faragus, découvreur de talent s'il en est. Rudy Faragus n'a cessé de croire en l'étoile de Maurice et lui a fait vraiment en de s'exprimer. L'issue du combat ici à Bruxelles ne fait aucun doute pour personne. Maurice Mailleux est au sommet de son art, bravi par Alfred Caron, dont la rigueur et la compétence ont déjà porté leurs fruits avec moins de... sur le plan de la puissance qu'au niveau de la popularité. Une ambiance extraordinaire ici à Bruxelles, les deux boxeurs en ce moment sont dans leur coin, les entraîneurs font leur travail, tant bien que mal, l'ambiance est de plus en plus aiguë à Bruxelles, le combat reprend, troisième reprise, Tardif, oui. Mais naturellement Tardif tente de s'accrocher, c'est sa tactique, l'arbitre intervient, attention Maurice fait ça, oui, c'est bien, c'est parti, attention, il devrait être au cul de nouveau. La bonne reprise pour Maurice, la bonne reprise, on sent qu'il maîtrise tout son... Oui. Toujours, attention, uppercut. J'avais perdu avant de commencer. Ça se voyait que t'en avais rien à cirer. Tu étais dans ma tête, pauvre tard, pour me dire des choses comme ça. Pas la peine. Il y a des attitudes qui ne trompent pas. Ben, tu te plantes. Je voulais gagner. Qu'est-ce qu'il fout ton patron? Virer pour virer, autant que ça se passe vite. T'as rien compris. Hein. Si t'avais gagné, tu pouvais lui échapper. Tandis que là, t'es à sa pogne. Alors, champion, on a récupéré. Si tu voyais Tardif, une véritable enseigne pour boucherie. Avec le titre en sautoir. Ça n'a aucune importance. Toi, tu es Wonderboy Maurice Mailleux. Un corps, rien qu'un corps. Mets tes pensées au frigo. La boxe, c'est avant tout de la technique. Et ton corps doit en être l'instrument. Comme si t'étais un violon. Je sais bien que je suis fini. Fini? Attends d'avoir lu l'article de Philippe. 6 colonnes à la une dans l'équipe. T'as fait un combat d'enfer. C'est la mécanique qui marchait pas, sinon t'aurais pas eu ce petit moment d'absence. T'es plus populaire que Tardif. Hein. Aujourd'hui, t'as conquis le public et ton statut de star. Seulement, il faudra obéir à ton entraîneur, à Caron. Lui te sortira les tripes. Je ne peux pas laisser Jackie. L'amitié, c'est beau, c'est grand. Mais c'est un ivrogne, un sentimental, Jackie. Tout le contraire de ce qu'il te faut. Et mon père? Planqué. Il doit nager dans le désespoir. Bon,
Si Dorio, tu l'emmènes chez Chaki. C'est plus sport que tu le lui annonces toi-même. Il le prendra mieux venant de toi. Entre, c'est ouvert. Je t'attendais. Je pensais bien que c'était toi qu'ils enverraient pour me signifier mon congé. Ah, ils sont courageux, ça fait peur, tu vois. Qu'est-ce que tu crois, Jackie? Je te laisserai pas tomber. Ah non? T'es bien comme ton père, toi, tiens. Tu préféreras la gloire à l'amitié. Je te filerai du fric, Jackie. J'en veux pas de ton fric. Je m'en tape de ton fric. Je peux vivre sans. Je veux pas continuer à entraîner des nuls. Je veux être le manager d'une star. Tous les hommes sont des traîtres, c'est bien connu. Mais toi, non. Non, parce que moi, je t'en empêcherai. Alors, tu vas trouver Farragus. Tu lui dis que tu continues avec moi. Hein? Aussi simplement que ça. C'est pas possible, Jackie. La seule chose que je peux faire, c'est laisser la bourse. J'en crève d'un, Jackie. Ah ben non. Ah non, t'arrêteras pas. Puis tu me largueras pas non plus. Sinon, moi, je suis appelé à mon associé. Ah ben, tu le connais, mon associé. Hein? Ah ben si, tu le connais. Voyons. Il t'a envoyé sa bague. Et aussi ses lunettes cassées. Hein? Alors, si tu fais pas ce que je te dis, eh ben, il va réapparaître au grand jour. Ça va faire mauvais effet, ça. T'as eu ça, vous, Jackie? Ce soir-là, j'étais ici avec ton père. Je l'ai raccompagné. L'appart était vide, alors on a décidé de pousser jusqu'à la péniche. Comme ça, pour passer le temps. Et on vous a vu. Ouais, on vous a vu, là, mon chez-toi, avec le tapis. On vous a suivi tout phare éteint, jusqu'au conteneur. Imagine notre surprise. Papa servait pour la barque. Ben non, j'ai rien dit. Je pensais que, en voyant ces petits souvenirs, t'allais avoir un choc. Vous l'avez mis où, mouche? Ah. Cherche. Cherche. Toi qui es croyant. Hein, demande au bon Dieu. Envoie-lui un fax. La mouche. La mouche. Oui, je vais te le dire. Je vais te le dire, ça va bien t'amuser. Il est dans ton caveau. Ton beau caveau de famille. Non, t'approches pas. T'approches pas, tu défonces la gueule. Nora. Demande nom à ton cher papa. Tu vas pas me taper. Elle est où? J'en sais rien, moi. Dis-moi où est Nora, où j'étais-tu? Te crier comme ça, les voisins vont rappliquer. T'as peur pour moi? Ou bien t'as peur quand tu vois ton vrai jour? Espèce de lope, parle! J'ai filé du fric pour que se dire. Qu'est-ce que tu dis? T'es qu'un rat. Un rat malfaisant. Toi, t'es un assassin. T'es un assassin. T'as des yeux d'assassin. C'est toi qui as tué Mouche. Tu as tué Mouche. Tu as tué Mouche. Je te file du fric. C'est pour ton bien. Et elle l'a pris, ce fric. Alors, ça ne suffit pas comme preuve. Maurice. Maurice, je t'en perds. Écoute-moi bien, papa. Écoute-moi bien. Parce que c'est pour la dernière fois que je te parle. Je vais sortir le macabre du tombeau. Je vais le brûler sur un tas d'ordures. Je vais quitter la France avec Nora. Je la retrouverai. Vous êtes fatigué pour rien, ce connard de Jackie et toi. Adieu, papa. Adieu.
Alors, champion, on fait de l'exercice? Pas bien dans ton tombeau, le Maccabée? Un tombeau, c'est une bonne place pour un mort. Passer Maccabée là dans ce tombeau-là, avec ma mère et mes grands-parents. Ah, l'orgueil des Noirs! Et qu'est-ce que tu voulais en faire? L'embaumer. T'as pas été malin, on était prêt à classer l'affaire. Je te faisais suivre comme ça par conscience professionnelle. Tu vas en prendre pour 10 ans. Enfin, 7, c'est pas la mer à boire. Mais ta revanche contre Tardif, ça, tu l'auras jamais. Et ça m'emmerde. Je n'ai jamais aimé la boxe. Tu ne trompes personne en prenant tout sur toi. Faut-il que tu l'aies dans la peau, cette confesse? Vous avez tout faux, inspecteur. Elle s'est tirée ça au moins. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas si elle est vivante. Vraiment? Allez, vous avez 1 heure. À nous maintenant. Ton père est venu. Il m'a dit qu'il nous avait vu porter le cadavre d'Henri dans le conteneur. Qu'il préviendrait les flics si je disparaissais pas. T'as donné combien? Mais rien. Bon Dieu de Vérol, quel fumier! Je ne sais jamais ce qui fait agir les gens. La peur, l'intérêt, la solitude, ou la souffrance, ou la jalousie. L'amour. Tout ça, c'est pareil vu de l'extérieur. Et en dedans, ça prend une place considérable. Ça peut tout détruire. À toi souvent. Ici, la vie n'est pas compliquée. Le temps passe très vite. Le directeur de la prison m'a demandé de donner des cours de boxe. Bizarrement, je me suis aperçu que la boxe m'avait manqué. En échange, on m'a permis de prendre le cours de violon. Alors j'en joue un peu tous les jours. Je lis, je décris, et pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Machinalement, comme s'il tenait un journal. Le directeur de la prison lui a demandé d'organiser des combats. Bizarrement, c'était la boxe qui lui avait manqué. Un jeune prof vient 2 fois par semaine. Rien que pour lui. Il en joue chaque jour un peu. Il lit, il écrit, il s'entraîne. Et quand il fait glisser amoureusement son archet, le violon calé sous le menton, son œil quitte à nouveau le monde. L'ailleurs où il se réfugie, cette fois, n'a plus vraiment de visage. Il porte un nom que Maurice ne prononcera sans doute jamais, et dont il découvre pour la première fois l'étrange pouvoir. Liberté.